Bonjour, je suis Mickaël Guinet, chef de produit hors bord chez Beneteau. Je vous présente aujourd'hui l'Antares 11 Fly. Avec ses 11 mètres de long, le nouvel amiral de la flotte Antares est le family cruiser par excellence. Notre priorité a été d'assurer la meilleure qualité de vie à bord sans que ce soit au détriment des volumes. Avec l'Antares 11, nous sommes ainsi parvenus à améliorer les espaces et renforcer le confort. Cette vedette, au design contemporain, peut accueillir jusqu'à 11 personnes à bord, un exploit sur cette taille de bateau. Destiné à la navigation familiale, le confort et la sécurité du bateau sont nos priorités. Cela est donc possible grâce à sa carène avec un V prononcé à l'étrave pour un passage de vagues doux et une bonne déflexion. Et la carène est plus plate à l'arrière, garantissant une bonne stabilité et une vitesse optimale. Nous voici dans le cockpit de l'Antares 11. Alors via la plateforme de bain, on peut accéder facilement à la double motorisation. Ici, 2 x 300 chevaux avec le nouveau moteur duo propre développé par Suzuki. Doté de cette motorisation, cette Antares peut atteindre 40 nœuds en vitesse de pointe avec un confortable 25 nœuds en vitesse de croisière. Alors vu ses performances, on peut sans souci préférer un 2 x 250 chevaux pour un usage plus familial. Depuis la plateforme, on apprécie un accès flush au cockpit. Le cockpit est un espace de vie à part entière du bateau. Son grand carré peut disposer d'une table que l'on pourra positionner dans la largeur ou dans la longueur pour une plus grande convivialité. À noter également que la banquette se prolonge dans la timonerie. Enfin, cette banquette coulissante est modulable en bain de soleil grâce à son dossier basculant. Plusieurs nouveautés ont été spécialement étudiées et installées sur cette nouvelle Antares. Une casquette qui arrive jusqu'à l'arrière du cockpit pour une meilleure protection. Dans la version coupée, on aura la possibilité de choisir un toit souple ouvrant qui permettra de profiter du soleil ou de s'en protéger aux heures les plus chaudes. L'autre innovation du cockpit est cette plateforme latérale pour agrandir l'espace et offrir une véritable terrasse ouverte sur la mer. Enfin, comme les autres modèles, pour s'adapter au climat plus froid, le cockpit peut être entièrement protégé. Nous accédons de plein pied à la timonerie qui est accueillante et très lumineuse grâce aux grands vitrages latéraux légèrement teintés et aux grands pare-brises. Et sur la version coupée, nous avons 2 panneaux de toit ouvrants et même des vitrages additionnels en option pour un maximum de luminosité. Alors on l'a vu, le carré peut rejoindre la banquette de cockpit pour agrandir cet espace de convivialité. Vous remarquerez que la sellerie du carré est assortie à celle de l'extérieur. Et si on souhaite un couchage supplémentaire, alors on optera pour l'option table de carré convertible en banquette double. Et avec ce couchage supplémentaire, on pourra ainsi héberger 7 personnes à bord. Alors en face du carré se situe une cuisine très bien équipée. Alors fonctionnelle, cette cuisine n'en est pas moins design, avec ses portes laquées dans les tons gris titane en harmonie avec le reste de la timonerie. Enfin, nous accédons au poste de pilotage sur tribord. Alors doté d'un siège pilote confortable et enveloppant et réglable, il dispose d'un cale-pied pour profiter de la navigation en toute sécurité. La porte latérale donne accès à une porte de coupé qui facilitera les manœuvres. Le pont inférieur de l'Antares 11 est inédit pour la gamme. On va retrouver un vrai grand espace de rangement avec placard et possibilité d'accueillir un réfrigérateur ou un congélateur de 80 litres. Vous voyez, c'est vraiment pensé pour la croisière. Et qui dit croisière dit nuit à bord, alors dirigeons-nous vers la cabine propriétaire. Alors vous le voyez, cette cabine est très spacieuse avec ses 1,93 m de hauteur sous barreau, très longue avec un lit de 2 m par 1,60 m en îlot, très facilement accessible. Et le petit plus, la cabine propriétaire dispose d'un accès privatif à la salle d'eau. La seconde cabine est un vrai point fort du bateau et sera très certainement l'espace préféré des enfants. En effet, cette cabine propose 3 couchages. Un couchage double de 2 mètres par 1,40 m et une banquette simple qui pourra aussi faire office de méridienne. À l'entrée de la cabine, on appréciera le rangement et l'accès facile à la couchette. Pour garantir un meilleur confort dans les zones les plus chaudes, nous proposons l'option climatisation 12 000 BTU dans les cabines qu'on associera avec le générateur.
Enfin, l'Antares 11 offre une vraie salle d'eau familiale avec l'avantage d'une douche séparée. Et même dans cette salle d'eau, nous disposons d'une vue sur la mer et d'un hublot ouvrant dans la douche. Accédons maintenant à la plage avant, très facile grâce au passe-avant tribord extra large. On soulignera également la hauteur des balcons qui renforce la sécurité, notamment pour les enfants. La proue de l'Antares 11 est l'espace détente privilégié du bateau. Elle a été imaginée comme celle qu'on retrouve sur des croiseurs plus grands, avec un bain de soleil doté d'un dossier relevable et d'un taux de soleil intégré dans sa version élégance. Le Flybridge est une vraie alternative à la version coupée, à considérer pour qui souhaite étendre la surface disponible sur son bateau. Avec un carré accueillant pour 4 personnes, qui pourra se convertir en un solarium géant et très confortable. Le Flybridge dispose également de nombreuses options, telles que le bimini avec son extension, le réfrigérateur à tiroir, le radar ou encore les panneaux solaires. Équipé avec cette seconde station de pilotage complète, il permet également de profiter des joies du pilotage en plein air. Fiabilité, croisière et multi-loisirs sont les trois mots qui caractérisent le mieux l'Antares 11. Fiabilité, car l'Antares 11 s'appuie sur 40 ans de succès de la gamme pour en faire un bateau marin et sécurisant pour naviguer en couple ou en famille. L'Antares 11 est le parfait compagnon de croisière. Avec son intérieur soigné et confortable, ses 7 couchages et ses différents équipements, rien ne manque à bord pour partager un week-end en famille. Et multi-loisirs, car entre la plateforme de bain latérale, les zones de détente et bains de soleil, le taux de soleil à l'avant ou encore la protection totale du cockpit, eh bien l'Antares 11 convient à tous les loisirs et à tous les climats.